responsable à l'église sur les hochets d'Haïti, un pasteur de Djené, qui impliquait juste dans zo, dans cargaison zam ak munition qui était venu sur non l'église épiscopale d'Haïti. La justice haïtienne mettait mandat de elle, côté au jeune li, puis au flanquel en bas code, un bien c'est même pasteur ça même, qui était voyé un autre pasteur pareil li, à le chercher, zam ak munition qui était venu dans bateau, sur non l'église épiscopale d'Haïti. Nous gagnons, nous pas gagne image, nous pas le temps de causer dans la coupe d'Haïti. Et même pasteur ça oui, qui te fait complot à assassiner président Jovenel Moïse. Bon allié pasteur Forge. Bon allié pasteur Gérald Bataille oui. Père Franz Kol, mon nous pas ta penser qu'avant zam ak munition dans la coupe d'Haïti, c'est même mon ça yo qui sous chez l'église chaque dimanche à prêcher la paix. Qui donc y a fait ça pas ça en bas. En tout cas, mais ça paye d'Haïti. La police m'a grain plusieurs présumés bandits. C'est bon pied ti macaque qui fait café le pas couler avec ma. Bien à lundi qui était 10 avril 2023. La police te mené yon opération. Garçon pas campé grain nan bouda nan Bastengal ti macaque. Thomasin yon localité qui trouvelle non commune Pétionville. Et bien, dans le cadre d'opération, si là, et bien, force de l'audio, t'apprends, fusillé, plusieurs présumés bandits, dans échange à coup de balle. Et bien, force de l'audio, t'apprends, confisqué, plusieurs fusils d'assaut. C'est au même, n'a pas gardé là. Trois rouges, marinant yo, ou bien mouchoir rouge, pour yo pas prendre balle, pour yo disparaître. Mais joue à pas de pour yo. M'a regardé image présumé bandit qui tombé en bas à coup de balle là popo gien qui trois lettres sous yo oui saisissement joue pas pour nous ti messieurs. Eh bien la police t'a mené opération ça c'est après présumé bandit yo fin assassiné trois policiers qui étaient à bord yon patrouille. Eh bien comment policier ça t'a pas le fait tomber. Mais après la police fin fusé trois présumés bandits pour ti macaque connait ti macaque gien pile soldat yo t'a pral tann yon embuscade pour patrouillant malheureusement yo pas de connait yo prend la dedans et puis bandit ti macaque t'a pral vide balle sous et patrouillant trois policiers mouri mais police yo te gitan tiré trois présumés bandits pour ti macaque. Dans moins que 24 heures, eh bien, la police tire 7 présumés bandits pour ti macaque. Eh bien, ça t'est passé le dimanche 9 avril 2023. Mais à lundi, eh bien, la police déterminée, mette grain dans Bouda, dans Bastengal, y aller dans fief. Ti makak yo vide au moins 4 ate. Bon travail à propos, pas faibli, pas molli. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sous Cause Peuple là jeudi, mardi 11 avril 2023. Rebondissement qui gagne dans dossier à amis auditeurs. Dans tout travail de CPJA, gagne un moun yo passé sous li comme ça mais yo pas mettre focus. Souli. Pourtant, selon information que me disposer, Mounsa est d'une importance capitale. Monsieur Sarele, pasteur Djené Day. Et selon toute information qui est disponible, c'est monsieur ça qui est responsable l'église. Juge là te émet ton mandat d'amener. C'est dans l'église ça va se faire. Ça? Pourquoi? Magwe. Magwe. Parce que il est kidnappé. Magwe. Juge là te lance un mandat d'amener des pasteurs dans quatre dossiers ça. Pour un raison mais pour un autre selon information que me gagne. Mandat ça pas de jam exécuté.
Et pour un raison bien pour l'autre, DCPJ pas trop focus sur personnage qui lui-même son élément clé dans enquête sur dossier ZAM qui implique l'église épiscopale. Pour qui ça? Pasteur Dieuné Day de l'église sur le Rocher, lycée broker, selon ça m'apprenne. Et c'est sous nol qu'un ensemble de marchandises qui viennent dans le cadre de Contine Zayo, ils entrent dans le pays. Et selon ça m'a comme information, les balles avaient fait scandale. Monsieur a parlé, récupéré ça qui vient sous nol. Livré en certain pasteur Samson. Et Samson, ça, il t'a nommé la justice, il t'a déjà en bas code. Et c'est Samson même qui dit c'est pasteur Dieuné Day qui t'a voué, il vient récupérer ensemble de marchandises. Information, nous le connaissons. M'apprenne que juge instructeur a déjà tendé majorité moun qui nan prison yo nan kat dossier ça que le té France Cole rivière en Pierre France Cole que le té Lovely ou bien Gina souvle mais gon ensemble de l'autre moun peut-être que moun yo arrêté nan début janvier mais aussi t'a arrêté nan commencement année là. J'ai là pour qu'on attendez pour qui ça a vu dit attendez bien selon ça me comme information administration pénitentiaire yo dit yo pas quitter prisonnier yo à l'enlèa par rapport avec menace qui gagnait dans zone frère là côté on paquet de juge instructeur gain bureau yo dans l'école magistrature parce que zone ça sont zone qui en bas contrôle, monsieur Vidélom a gagné lieu. Donc, pénitentiaire dit au même, il va pas le quitter, prisonnier, il va le prendre route pour aller monter en l'air, pour aller foncer des balais, il va la tata l'entendre, bon prisonnier calé, il va faire un muscade, il va prendre l'île dans mes policiers, il va se rendre à Fiboli ou de monter. Il a dit, je sais que l'autre monde n'a pas attendu tout, c'est parce que grève griffier a affecté le système là. Parce que bon ensemble de bail dans processus là c'est griffier qui gère. Or griffier a fait grève depuis plus de mois là guerrier. Griffier a fait grève. Qui vient faire que gagne une ordonnance de clôture. Moi ouais avocat Piggy Jean t'es évoqué là que juge là t'a doué rendre incessamment qui vient automatiquement impossible. Et selon information mienne, 3 mois pour juger la te instruit dossier après aller couler. Donc les avocats ont évoqué question ordonnance qui pral rendre là, ils ont fait référence à temps légal que juge la gain pour les traiter dossier. Parce que c'était 12 janvier je crois que juge la te reçu le dossier en février, mars, avril, donc pratiquement 3 mois pour aller couler. Et juge là pas bien rendre ordonnance là et il est fort probable que juge là lui-même lui écrit pour demander un petit prolongation pour capable permettre que lui instruit dossier et juge là dit comme ça que selon ça me comme information dans jour là si on pas mené pasteur Dieuné Day Bali li a transformer ou bien mandat d'amener à des possibilités pour le transformer en mandat d'arrêt. Avez-y, on est déjà prêt, monsieur, mais elle vient en état, etc. Pour permettre que je vienne répondre à une question. Donc, si ça arrive, monsieur, pas le venir, donc n'importe côté, il y a mal, monsieur, concret, j'en le venir, il y a fait le venir. Ça, c'est information. Qu'on y a concernant avocat qui défend l'église épiscopale d'Haïti, et ça me dire peut-être que M. Peggy Jean va mettre ces précisions pour nous, bien va clarifier pour le grand public. M'apprendre que avocat de l'église là, c'est M. Samuel Madistin. Cependant, M. Peggy Jean lui-même, lui, c'est avocat révérend Père Franz Cole.
Et Père Franz Kolsa, m'a noté, c'est un nan moun yo di ki clair nan question dossier zam nan pou nan non l'église là. Peggy Jean, il était intervenu, nous songe ça semaine dernière, il dit c'est pas à titre d'avocat l'église là selon ça moi-même moi viens comprendre mais plutôt à titre d'avocat révérend Père Franz Kol. Maintenant qu'en est-il du révérend Père Malouché? Nous songe des grands débats qu'a fait par rapport à mandat qui était émet contre Malouché et autres. Moi apprendre que juge l'attendait Malouché effectivement. Mais ça pas veut dire que Malouché est en clean. Selon ça bien comme information, il attendait mais toujours dit il était à la disposition de la justice à n'importe quel moment il est capable de reler. N'a pas rappelé Malouché, c'est lui-même qui est président comité permanent de l'Église épiscopale d'Haïti. Maintenant, en considération, monsieur qui fait le droit, il va aider. On dit par exemple, de CPJ, il a lancé son mandat de Père Malouché. Est-ce que si le juge l'a fini de tendre et puis le juge l'a quitté l'allée, le mandat ça va tomber automatiquement? C'est une question que je m'a posé. Ah oui. Il a donné ton mandat derrière. OK? Il a cherché. Voilà que le juge a instruit le dossier. Il finit dans l'eau, il y a une possibilité pour le faire qu'un beau, mais dans le dépôt, il y a une possibilité pour le relâcher, pour le relaxer. Il y a tout aller. Donc ça veut dire ça, ça veut dire que le mandat tombe automatiquement. Donc si le mandat, parce que moi, la police renouvelle à vidéo et chercher des météores, quand on sait que monde dans l'église épiscopale, dont Père Jean-Marie Cheville, il va vous saluer. Et on confirme que le juge l'attendait. Qu'on a mandat ça. Est-ce que il vini avant juge la tendel ou bien vini après juge la tendel? S'il vini avant juge la tendel, moi je pense que Malouché li boule sécurité. Maintenant s'il vini après, monsieur Malouché, m'a bon menti, il y a cherche au conchin fou et n'importe côté au vin, il y a ma au concrab pour yo mettre derrière quatre murailles. Je pense que précision ça yo, yo était important et ça nous doit retenir. Nouveau rebondissement, il y a deux pasteurs qui impliqués dans le dossier. Et il y a un pasteur qui est responsable de sur le rocher. Et on dit que monsieur était un mandat d'amener. Et le mandat d'amener, ça risque de transformer en mandat d'arrêt qui est impliqué dans la question du dossier ZAM et l'église épiscopale d'Haïti. En guise de conclusion, nous avons fait considération de Pierre. Nous avons dit est-ce que ça veut dire depuis qu'il y a des gens dans l'église qui impliqués dans le dossier, ça veut dire que c'est toute l'église là? Je ne crois pas. Cependant, genre de scandale ça yo, pas venir dire mieux faire honneur à l'église là. Genre de scandale ça yo, m'pa bon menti, yo fragiliser l'église dans le pays. Yo fait ouais l'église en l'autre genre dans le pays. Comment comprendre? Les têtes passantes de l'église, des moun qui prennent des décisions dans l'église. Et puis c'est yo qui impliqué dans trafic d'âme. L'ordre pour l'église épiscopale, le révérend Père Franz Kol, c'est le secrétaire exécutif diocésain de l'église épiscopale d'Haïti. Là, on prend Père Jean-Marie Cheville, c'est le président du comité permanent de l'église épiscopale d'Haïti. On prend Franz Désiré, qui n'a marron, qui a cherché conchin fou. C'est directeur d'un gros collège dans le pays qui est dirigé par l'église épiscopale d'Haïti, qui est le collège Saint-Pierre. OK? L'on prend le Zimbabwéen, qui c'est ancien fonctionnaire de l'église, qui était responsable opération, chef des opérations. Et monsieur, c'est lui-même qui était sorti de New York pour venir démettre l'ordre dans des ordres qui étaient gagnés, non c'est lui qui a fait dans l'église épiscopale dans le pays. Et qui sa enquête l'a révélé? Que monsieur sont trafiquants d'armes internationales. Et c'est lui-même, malgré le petit job, lui. En 2018, dans l'église là, l'église a continué à transférer l'argent sous compte chaque mois. On parle quand même de plus de 30 000 dollars US par mois. Pour faire qui ça, on ne peut pas. Et en passant, son équipe a cherché qu'on chef. Bon, tout le monde sait, qui a l'église la direction, qui a pensé pour l'église là, voilà que vous impliqué dans le scandale, fait ça rentrer dans le pays, dans le contexte, côté insécurité, c'est plus gros fardeau de peuple haïtien. Parce que tout fort en de bandits au fort, ce n'est pas ZAM qui n'a même pas. C'est munitions. Parce que ça, ça, il dit moins,
si moi qui a 47 ans même, moi 14 ans même, il m'a gagné balle ou mettre la donne. C'est une raison qui fait que moi-même, pendant deux dernières semaines, je suis aussi intéressé avec dossier l'église épiscopale là, avec dossier Port-de-Paix qui implique Bato Miss Lilia. C'est pas pour ça raison qui fait que pendant toutes dernières 24 heures, ça vous mettez mon travail. Mon conseil fou. Je prends une série de bureaux là, je prends une série de monde, je fais une série de appels tête chargée. Je vais dormir dans le jeu. Parce que les, toutes 4 ça, après entrer dans le pays, là, pour alimenter une série de groupes armés, c'est la population civile qui paye ça. Ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas l'église épiscopale, ce n'est pas le gouvernement qui va l'emmener avec eux. C'est malheureux, malheureux, c'est les gens qui dans le marché public, c'est chauffeur camionnette, chauffeur bus, c'est eux-mêmes qui prennent le vaquer à occupation comme socioprofessionnel. C'est nous qui prenons le victime. Donc si on coûte même gabay dans le niveau ça, pour la République connaît, qui sa dossier fait zam, fait bal rentre dans le pays, je ne vais pas hésiter au second. Et c'est ça que fait moi-même, je suis dossier ça à la loupe. Moins petit détail que je joue, je viens là. M'a partagé avec nous parce que li pas normal pour gagner des moun à l'étranger dans diaspora haïtienne notamment aux États-Unis d'Amérique qui en complicité avec des moun dans pays d'Haïti soit qui dans l'état soit qui dans la police là soit qui dans la douane ou dans l'autre institution dans pays a ap fait zam rentrer ap fait bal rentrer ap fait une série de munitions rentrer dans pays a et puis qui ça résultat est. C'est moun gap mouri chaque jour, c'est gang qui occupe presque 60-70% territoire, c'est ti moun ti fit fami a violé, c'est kidnapping, c'est braquage, c'est marchandise gap détourné, c'est gaz et latrie. Donc on pense que c'est important monsieur dame pour me deviner avec et éléments supplémentaires ça yo qui concerne notamment l'implication du pasteur Dieuné Day de l'église sur le rocher et m'a noté selon information me gagné pasteur Dieuné Day, moi dis ça son beau cœur et il dit moi ça que tu mon époque il était responsable pour recevoir et produit pour ministre et m'apprendre que pasteur a été fait qu'on le connaît tu prends malin plaisir pour faire de l'autre bagarre rentrer sous nom ministre dans le pays et ça t'a coûté le cher jusqu'à prendre prison. Oui, bonjour tout le monde. Oh, bonjour Johnny, n'a pas toujours été dans même dossier ça, mais avec intervention, opération, la police nationale d'Haïti a mené dans zone Thomasin côté plusieurs bandits à mourir et selon ça nous apprend, selon porte-parole institution la police là, Gary Desrosiers d'ailleurs qui est ensemble avec nous en direct pour plus précision. Gary Desrosiers, bonjour. Bonjour Gaël, bonjour Ferdinand, bonjour Gabriel, bonjour Lydie, bonjour tout auditeur, auditrice Radio Caraïbe. Effectivement, hier, il était aux environs midi et l'opération était continuée au niveau de Vallée et Heureuse qui trouvait exactement dans la boule 12. Et nous connaissons le dimanche passé, c'est arrivé, côté que tu as gagné et trois policiers, malheureusement, et qui t'ont perdu la vie suite à. Embuscade des bandits qui étaient promus, qui étaient montés justement sur le docaï, c'était en direction de patrouille, côté ben, du 3, les policiers sérieux, et nous te comprenons tout, indignation, tout, population, et peuple haïtien, famille, et face à la situation, ça, parce qu'à chaque fois, un policier perdu, et ça touchait, et moi, l'institution, ça touchait le corps policier, et ça touchait tout, les sociétés, hein, et nous tendons, voyons à travers les médias, et nous tendons tout, réflexion, considération, tout, que les journalistes ont fait notamment, et que les faits d'identité fait hier et suite à ça, et nous t'ai dit tout que nous n'avons pas peut-être démobilisé, nous n'avons encore déterminé, nous n'avons encore armé de courage pour que nous équipions lutte là, parce que nous connaissons que c'est un travail qui est très difficile et vu la situation que nous-mêmes, que la paix vive sur le plan équipement et matériel, mais la détermination, c'est plus beau force, non, la volonté, c'est plus beau force, non, permettre que, et aux environs midi, et opération, et au niveau de zone ça la vallée côté qu'il y a pipiti et nous bien dit pour pipiti trois et on dit qui est blessé mortellement et gagné deux FI et un M4 avec un Galil et qui occupe lors d'opération hein. Et mais pendant ma parole nous pas capable stratégiquement qui ça nous va faire dans les minutes qui suivent mais et nous dans zone ça.
Oui, donc stratégiquement, nous pas qu'à dire ça, nous pas le faire, même nous avons posé un problème tout à l'heure là, de la police a mené une opération, donc après, c'est d'un coup, on a commencé l'opération là, deux, trois bandits arrêtés ou bien mourir, puis la police repliée. Et Goulia, les bandits eux-mêmes, ils retournaient dans le même espace là, donc ils ont fait dégâts, donc c'est la population civile là qui paye ça. Et donc est-ce que nous, au niveau au commandement, nous comprenons que aller mener l'opération et puis retourner pendant que bandits allaient même les replier, ils retournaient dans la même base là, c'est pas la vie même sur la terre. Donc, on prend ça en considération parce que la population est réfléchie, la population est allée à travers la voie de presse. Et nous avons décrit de ce côté-là parce que les actions sont arrivées. Et puis, il faut que nous honnêtes. Et après, on est retourné. Et c'est la population qui est victime. C'est riverain dans la zone de victime, effectivement. Et ça réfléchit, nous réfléchit au niveau du commandement. Et il y a des dispositions justement qui apprennent pour ça. Mais il faut que nous soyons encore clairs pour nous dire que c'est pratiquement ça avec les maigres moyens que nous gagnons et que nous travaillons. Ça fait nous parler, c'est la volonté. Et ça fait que la situation sérieuse, nous toujours dit population hein, et monde à ta à l'intérieur, lieu pratiquement si on soit de représentants, nous soit deux yeux nous pour que eux-mêmes continuent à vivre avec et certains que normalement des mondes et pour que nous vivions parce que les criminels et qui eux-mêmes qui a et selon avec toute méchanceté qui mais encore une fois nous toutes les populations faut être très prudent, faut être très vigilant et face à des bandits et qui occupés et qui n'ont pas lieu et qui empêchent le bâtiment d'activité. Travail sécurité nous toujours dit les c'est pas une question de la police, c'est simplement c'est les mêmes étant une institution et les gagner et passion par les gagner travail par la fait et ce et le fait et ce qu'il a toujours fait en fonction de moyens nous mais et vous voyez que la participation de la citoyenne, la société, est importante pour nous. Et il y a plusieurs millions, nous sommes jeunes de mettre sous tête une série de gros bandits. Bah, ça toujours là, parce que je ne m'attendais pas à sentir une promotion qui fait sous les. Il est toujours qu'un dès que nous avons lancé les et jusqu'à ce que nous arrivions et les. Et les ça à présent, sont détenus, et pas simplement lui-même, et tout le monde est chez la population, hein, et va équilibrer l'activité, parce qu'à chaque fois, nous toujours dit nous perdons un policier, et c'est une graine, c'est de trop, même surtout, on graine mon la population, c'est de trop, on graine mon la famille haïtienne, c'est de trop. Parce que la situation ça allait dépasser et trop monde plein de ça trop monde souffre de ça je souffre dans mon âme je souffre dans chair dans corps et nous croyons que son mobilisation populaire et forte population en lui-même encore et continuer impliquer et pour que nous capables ensemble pour nous permettre que nous va équilibrement l'activité au pour annoncer s'appelle Gary Deosé. Oui, Gary Deosé, porte-parole, institution, la police, là, nous prêle parler avec Lionel Lazare, puisque Lionel Lazare, hier, fait nous connaître, gagné plusieurs policiers qui mourent, soit 21 policiers, sorti mois janvier, arrivé commencement mois avril 2023. Et dans l'autre chiffre qui est disponible, il y a 531 monde qui mourent, 300 blessés, à 277 l'autre kidnappé, sorti janvier, 20 mars 2023, c'est au commissariat, organisation Nations Unies, nos affaires droit monde qui était fourni. Chiffre ça, mais apprêté, sous chiffre ça, 21 policiers mourir pendant commencement mois janvier, arrivé mois avril 2023. Ça dit nous qui ça exactement, dans le niveau Sinapoa. Lionel Lazare, bonjour. Bonjour, Gavier. Bonjour, Lydie. Bonjour, Pierre.